est engouffré, Tiusbord. Dans l'avancée, les Toulonnais avec ce ballon renversé maintenant par Orioli. La passe après contact pour Carleman. Y a-t-il en avant entre Eman et Hermitage? Non. On joue toujours. Nous sommes à l'entrée des 22 mètres de Clermont. Tiusbord. Remise intérieure sur Orioli, replacé. Les largeurs sont prises. Mais ce sont les défenseurs qui sont en supériorité numérique. Sortez, sortez. La défense de Clermont qui tient bon. C'est encore la crampe qui avait bien anticipé la montée défensive, qui avait coupé la trajectoire de balle. Tiusbord, Gunter. Tiusbord encore. Guito qui dynamise avec Mermoz, avec Drew Mitchell. Et Jérôme Garcès qui a laissé des plumes sur cette action, on l'a entendu. Il a perdu les appuis, s'est replacé. Et grimace. Matt Guito s'engouffre, pris par Chouli, notamment l'auteur de l'essai clermontois. Il multiplie les séquences, notre coup par les intervalles. Finalement aussi avec Gunter qui vient d'alerter Bakis Botta. Oh, la percussion du géant sud-africain. On va jouer même sens avec Tiusbord. C'est fait. Mermoz. La passe au cordeau pour Palisson. Mermoz a redoublé. Oh, Maxime Mermoz. Question de monsieur Garcès à l'arbitre vidéo. On l'écoute. Essayez oui ou non. Est-ce que le joueur met pas le pied en touche ou pas, ou en touche de but? Essayez oui ou non. Ah, je pensais que l'arbitre pouvait revenir sur la une des dernières passes. En tout cas, elle avait une passe légèrement en avant. Ou peut-être en tout cas légèrement en avant. Là, je pense qu'il n'y a pas touche. Suivez bien le pied. Oh, il est hors cadre. Il est hors cadre le pied, mais sur cette image proposée par les équipes de Samy Chatti, voit qu'il y a essai, que les supporters peuvent aussi suivre dans l'écran géant de ce stade de l'Allianz Riviera. Rien à dire. Ils le peuvent, l'arbitre, monsieur Garcès également. Il ne s'en prive pas, il regarde les ralentis multipliés par nos équipes techniques pour voir que cet essai devrait être validé dans les prochaines secondes. Il attend néanmoins le verdict. Merci. Maxime Mermoz, quasiment à lui seul sur cette initiative avec son appel de balle autour de Palisson, a fait la différence. Il permet à Toulon de mener 11 à 10. Voilà, lui aussi là, a fait la différence. Il y a eu un décalage des gros quelque part. Ali Williams pour Yoni, la charge de Botta qui avait créé vraiment la première brèche dans la défense toulonnaise. Et puis voilà cette très belle fixation, cette offrande de Max Mermoz pour Alexis Palisson qui lui remet